En liaison avec Koumé pour la croisade de louanges, de prières et de jeûnes de 40 jours, l'église est connectée via projection d'écran géant. Le pasteur Kamsou Aurélien Bertrand coordonne chaque nuit l'éveil. Père, à toi toute la gloire, Seigneur, pour ce 12e jour, oh, c'est le jeûne, pour ce 12e jour de prière, pour ce 12e jour de croisade. Oh, c'est merci pour ce 12e jour de transformation effectué uniquement par toi. Que toute la gloire nous revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Les serviteurs de l'Éternel se tiennent dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, ici à Messassi. C'est l'un des points de prière de l'église à Yaoundé. Amen. Proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est assis sur le trône, le plus élevé et en vainqueur et en maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes les nuits, depuis le 16 octobre, les frères sont en duplex avec Koumé pour suivre le programme de croisade, de louanges, de jeûnes et de prières du ministère. Et par ricochet, les enseignements du frère Théodore et les programmes de la dite croisade qui se succèdent chaque jour et qui sont suivis ici à la loupe depuis le quartier général de l'œuvre. Après la Pentecôte, tous les apôtres sont restés ensemble under Peter's leadership. Sous le leadership de Pierre. Each was an apostle. Chacun d'entre eux était un apôtre à part entière. But they did not understand apostleship to mean that you start your own. Mais n'ont pas compris le fait d'être apôtre comme un appel à commencer ton propre ministère. Rendu à ce dimanche 29 octobre, c'est 14 jours de bataille pendant lesquels les saints continuent de se tenir avec Dieu pour ces batailles dans le hall du centre chrétien de Messassi. Les dizaines de frères et sœurs sont dans ce lieu de prière qui est ouvert toutes les nuits aux frères de la zone de Bala jusqu'au 40e jour, le 24 novembre prochain.